Alors, ce cantique, c'est un cri de cœur du Seigneur, l'Église. Alors, je voudrais qu'on en prête attention aux paroles. Monte le son de mon micro, s'il te plaît. Amen. Cette chanson, ce n'est pas pour condamner quelqu'un. Cette chanson, ce n'est pas pour blâmer quelqu'un. Mais vous savez, dans la vie, quand tu as ton enfant, souvent même tu l'interpelles. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, la plupart parlent de miracles. Tu vas voyager, tu vas travailler, tu vas te marier. Expulse ça sans le mal, oh oui. Quand Jésus est mort à la croix, tu peux avoir une belle femme. Un bon boulot ne te garantit pas le ciel. Non. Pratique sa parole. Il faut pratiquer sa parole. Pratiquer sa parole, yeah. Il faut pratiquer sa parole. Il est dit dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison. Donne des choses agréables. Alors pour cela, il faut se donner des prophètes. Hey. Prophétie passée, révélation par là, tout ça pour égarer le peuple. Yako, mon frère, fais attention. Hey. Il faut pratiquer sa parole. Alors, comment tu vois la vie chrétienne? Comment tu vois la vie? Demande à ton voisin comment tu vois la vie chrétienne. Comment tu vois la vie chrétienne? Comment tu vois la vie? Ce ne sont pas tes dîmes ni tes offrandes qui vont t'envoyer au ciel. Jamais. Tu peux prêcher l'évangile de Christ, chanter pour sa gloire ne te garantit pas le ciel. Mais pratique sa parole, hey. Il faut pratiquer. Comment tu vois la vie chrétienne? Comment tu vois la vie? Écoute ceci. On t'a connu pasteur, 3 ans après tu te fais appeler bishop, archibishop, hey, hey. Tout ça pour intimider le peuple, pour effrayer le peuple. Nous on est fatigué. Même le Seigneur Jésus-Christ, malgré tous ses miracles, n'a pas cherché à voir un titre. Ah. Mais il a reçu le nom au-dessus de tout nom, par son humilité. Comment tu vois la vie? Comment tu vois la vie? Écoute ceci. Depuis que tu es bishop, toi seul, tu as 64 corps. Hey! On ne peut plus te voir, même te toucher, c'est compliqué. Est-ce que c'est faux? On ne voit pas Dieu, mais si toi on ne peut pas te voir, dites-moi, peuple de Dieu, qui va faire ma guitare? Qui va faire ma délivrance? Wawa youle yo, wawa youle, Jésus revient bientôt. Wawa youle. Est-ce que tu as compris le message? Wawa youle, Jésus revient bientôt. Pour chercher son église. Les temps sont finis, alors à l'essentiel.
pour te flatter. Amen. À la vérité, ce n'est pas pour te flatter. Le message que tu as prêché, c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Parce que même ce matin, je parlais du même message à mes enfants. Alléluia. Il a dit une chose, on te maudit toi, il faut bénir. Il a aussi dit une chose, tu m'as béni, je vais aussi répéter. Il dit, on n'est pas disciple de Moïse, ni de Gédéon, ni d'Abraham. Pour retourner dans l'Ancien Testament, pour nous raconter autre chose que Jésus n'a pas dit. On est disciple de Jésus. Que Dieu te bénisse. À vous le peuple de Bethel, je vous en supplie, priez pour l'homme de Dieu. Ils ne sont pas nombreux qui prêchent la vérité que moi j'ai entendu. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est tu vas voyager, tu vas te marier. Est-ce que c'est faux? Pour nous tuer, ils vont faire des miracles par fin de voyage. Est-ce que c'est ce que Jésus nous a dit dans la parole? Alors retournons à l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle bénédiction. Quelle grâce nous avons reçue ce matin. Merci beaucoup, chante Richard Crémé. Merci beaucoup. Merci de me rebénir.